Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo sur mes applications. Mais c'est vraiment des applications que j'utilise vraiment en ce moment. Voilà, donc c'est mon petit coup de cœur du moment. Mais bien entendu, il y en a d'autres. Donc on va commencer avec la première application qui est donc YouTube Studio. Donc en fait c'est une application qui va concerner donc les youtubeurs et les youtubeuses. Voilà, si vous n'êtes pas youtubeur ou youtubeuse, ça ne vous servira pas du tout. Donc c'est en fonction de votre chaîne. Donc en fait vous allez y rentrer, donc vous allez télécharger YouTube Studio, vous allez donc du coup mettre votre chaîne en lien, voilà. Et une fois que c'est fait, en fait c'est votre tableau de bord sur votre téléphone. Vous allez pouvoir donc du coup gérer, regarder les vues et les likes sur vos vidéos. Si vous avez des commentaires, par exemple si vous n'êtes pas chez vous et que vous pouvez pas regarder si vous avez eu des commentaires sur votre dernière vidéo et voilà, que vous voulez quand même voir ce qui a été noté, donc vous avez ça du coup directement sur le YouTube Studio. Donc vous pouvez regarder et répondre aux commentaires, les liker. Vous pouvez également donc vérifier comment se passe votre chaîne YouTube en quelque sorte, comme quand vous êtes sur le PC. Donc vous pouvez également regarder les analytics, etc. Donc vous pouvez vraiment aussi tout ce qui est modification dans la description, par exemple si vous avez oublié quelque chose et que vous n'êtes pas chez vous pour pouvoir le faire, vous pouvez également rajouter ou supprimer quelque chose dans la description. Voilà, donc c'est vraiment une application qu'il vous faut si vous avez donc du coup une chaîne YouTube. C'est vraiment très pratique et c'est vrai que maintenant moi, j'utilise énormément parce que des fois j'ai un peu la flemme d'allumer le PC juste pour en fait regarder mes commentaires et y répondre tout simplement. Donc je le fais directement sur mon téléphone, voilà. Et en plus vous allez recevoir les notifications lorsque vous allez avoir par exemple un abonné ou un commentaire, voilà. Donc du coup c'est directement sur le téléphone, donc je vous invite vraiment à télécharger cette application. Ensuite on va rester un petit peu donc dans le domaine youtubeur, chaîne YouTube, tout ça. Donc du coup la deuxième application que moi j'utilise beaucoup et que je vous conseille, c'est LiveCount. Donc en fait c'est une application et un site que vous pouvez donc du coup bien entendu retrouver sur iPhone, etc. Donc c'est une application qui va vous permettre de voir en temps réel votre nombre d'abonnés, voilà. Donc je sais que pour certains ça peut être un peu ouais, cours après ses abonnés, nanana. Non, c'est juste pour avoir voilà, une idée. De temps en temps je vais dessus pour voir mon nombre d'abonnés, si j'ai monté beaucoup, si j'ai stagné, voilà. C'est vraiment juste pour avoir un petit œil sur votre nombre d'abonnés que vous avez, voilà, tout simplement. C'est une application très très simple, il n'y a pas grand chose. Vous avez juste à rentrer en fait le lien qui se trouve en haut en fait de votre page, de votre chaîne YouTube. Donc vous avez juste à mettre le lien sur LiveCount et du coup après voilà, vous pouvez voir l'avancement de vos abonnés. Vous pouvez également aussi le faire avec des chaînes que vous aimez bien. Si vous voulez suivre du coup leur nombre d'abonnés, voilà, vous pouvez également le faire avec donc du coup d'autres chaînes. Vous avez un petit onglet favori et voilà. Vous pouvez aussi, grâce à cette application, vous avez une cloche en fait, comme sur votre chaîne YouTube. Et en fait, vous avez la cloche qui vous permet de, si vous voulez être informé par LiveCount, lorsque vous avez passé un palier, par exemple, si vous réglez votre palier à 500, bah, dès que vous allez passer votre palier à 500, du coup, LiveCount va vous envoyer un petit signal sonore ou quelque chose comme ça, pour vous dire que du coup, vous avez passé votre palier. Voilà! Ensuite donc je vais vous parler donc d'une application que je n'arrête pas de vous parler à chaque fois, surtout dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite du coup à cliquer sur le petit i, je sais pas si c'est là ou là en fait, enfin, je crois que c'est là, je sais plus. Donc un des deux côtés, dans le petit i je vous mets ça. Donc je vais vous parler de Igral. Donc Igral, je sais maintenant c'est très connu, il y a encore quelques personnes qui ne connaissent pas beaucoup, mais c'est vraiment hyper génial. Donc c'est une application, donc un site de cashback. Donc par exemple, vous allez faire un achat sur internet, vous avez Igral, voilà, donc c'est une application qui est entièrement gratuite, voilà, vous pouvez vous inscrire gratuitement. D'ailleurs il y a mon lien donc de parrainage dans la description et ça vous donne droit du coup à 3€. Dans mon ancienne vidéo j'avais dit 5€, mais du coup je m'étais craquée, c'est 3€. Donc si vous inscrivez avec mon lien de parrainage, vous gagnez déjà 3€ sur votre compte Igral. Bref, donc oui, c'est un site en fait, enfin une application de cashback. Ce qui fait que quand vous allez faire un achat sur internet, donc il faut savoir que Igral est partenaire avec plus de 1700 marques différentes, enfin sites différents, donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Il y a très très peu de chances que votre Igral ne soit pas en partenaire, enfin qu'il soit pas partenaire avec le site en question. Donc par exemple, vous allez sur, je sais pas moi, une barre à pharmacie par exemple, vous voulez acheter je sais pas la gamme de produits Bioderma, je sais pas, j'ai un truc au pif, et bah du coup
Par exemple, si vous achetez ça, je sais pas, 40 euros, bah sur les 40 euros, vous allez récupérer par exemple 3% ou 2% ou 5%. Voilà, ça dépend en fait des sites. Il y a des sites qui ont plus ou moins de cashback. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, donc récemment, j'ai acheté un four parce qu'on n'avait plus de four à la maison. Et donc, le four était au prix de 499 euros. Du coup, moi, j'ai récupéré, donc c'était sur le site de Darty. Et moi j'ai récupéré 10 euros. Voilà. Donc c'est pas énorme 10 euros, mais 10 euros par-ci, 5 euros par-là, 50 centimes par-ci. Voilà. C'est vrai que ça peut monter énormément. Et du coup, bah, ça vous permet de récupérer en quelque sorte. Vous êtes moins à vous dire, ah, fait chier quoi, j'ai dépensé 200 boules ou 400 boules. Et au final, bah voilà quoi, c'est dépensé. Et que là, du coup, vous allez retoucher un petit peu d'argent. Donc au final, voilà. Ça met un petit peu de baume au cœur. Donc j'ai récupéré 10 euros sur mes 499 euros. Donc j'étais contente. Voilà. Donc c'est pour vous dire franchement, inscrivez-vous sur Igral parce que en plus là, période de Noël, donc il dit période de Noël dit énormément d'achats. Surtout que Internet maintenant est de plus en plus. Bah, y a plus en plus de gens qui commandent sur Internet, hein, faut se le dire. Très peu de gens font leurs achats en magasin. Il y en a encore, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'Internet est. C'est très facile et il y a énormément de promos. Donc en plus des promos, vous pouvez donc du coup bah, cumuler en plus du cashback grâce à iGraal. Donc voilà, franchement, inscrivez-vous. Donc je vous le rappelle, mon lien de parrainage est dans la description. Donc n'hésitez vraiment pas. Vous allez gagner donc 3 euros à l'inscription. Si vous installez donc la petite barre en haut qui vous dira à chaque fois quand vous allez sur un site que bah, ses partenaires, voilà, vous allez gagner donc 1 euro en plus, donc ça vous fait déjà 4 euros. Il faut savoir qu'à partir donc de 20 euros, soit vous demandez à avoir un virement sur votre compte bancaire ou soit une carte cadeau, c'est vous qui choisissez. Voilà. Moi j'ai déjà eu 3 ou 4 virements déjà, donc voilà. Donc franchement, je vous invite vraiment à vous inscrire parce que c'est vraiment top et ça peut vous aider quand même à, voilà. Des fois, si on a des petits soucis d'argent, on se dit, bon, bah, il y en a dans ma cagnotte Igral, bon, je fais un petit virement sur le compte, voilà, ça met un petit peu de baume au cœur et voilà. Donc voilà pour cette application. Ensuite, donc, je vais vous parler donc d'une application qui va plutôt concerner du coup, Instagram. L'application s'appelle LeadTags, LeadTags ou LeadTag, je sais pas comment on dit. Et ça va être en fait un générateur de tags, tout simplement. Ça vous évitera du coup de chercher à chaque fois des tags à mettre sous vos photos. Donc en fait, vous allez rentrer, par exemple, si vous avez mis une photo de d'un paysage, vous allez rentrer paysage et en fait, il va vous donner toute une liste de tags que vous allez copier et ensuite coller sur Instagram. Donc voilà, c'est tout simple, mais au moins ça permet de faire un petit peu de changement dans les tags. Et du coup c'est plus simple et on se casse pas la tête à chercher pendant 3 heures. Voilà. Ensuite on va également encore parler donc de, ça concerne un peu Instagram, donc c'est l'application PixArt et en fait ça va vous servir en fait à retoucher, donc si vous avez des boutons, des choses comme ça, donc relisser un peu la peau, vous avez également donc des filtres, si vous voulez aussi également faire un coupage autour de vous et mettre un autre fond derrière, donc comme j'ai pu le faire sur mon compte Instagram, je vous mets donc du coup des photos ici. Avec lequel j'ai utilisé PixArt, voilà, et vous allez pouvoir voir que c'est vraiment top quoi, on peut vraiment faire de jolis trucs, donc je vous conseille également cette application. La dernière donc du coup application, je me dépêche parce que mon appareil est en train de me dire que j'ai batterie faible, donc du coup la dernière application c'est Molotov, donc c'est une application qui vous permet de regarder la télé directement sur votre téléphone, voilà, tout simplement, donc aussi bien des films, des séries, vous pouvez aussi je crois regarder des films vraiment, enfin des films que normalement on paye sur Amazon ou sur YouTube. Voilà, donc c'est vraiment très très pratique. Et en plus ça vous donne également le programme télé du soir. Voilà, donc ça vous évite d'acheter un programme télé. Et vous pouvez du coup voir tout ça, voir ce qu'il y a en direct, etc. Donc voilà, j'en ai terminé donc du coup avec ma vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire si parmi celles que je vous ai citées, vous aussi vous les utilisez et ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi également à me dire ce que vous utilisez comme application, ça pourrait m'intéresser, on ne sait jamais. Et j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite du coup à le faire, ça fait également plaisir. Et moi je vous retrouve très très vite avec une prochaine vidéo, et en attendant, ciao !